Ahmed, après deux matchs nuls de clean sheet, hein, sans, deux matchs sans prendre de but face aux deux premiers championnats, est-ce que tu estimes avoir trouvé ton organisation défensive ? À l'instant T, oui, on a une organisation défensive qui est cohérente. Voilà, on a su être solide sur les deux, voire trois derniers matchs, parce que Rouen, on prend ce penalty dans les arrêts de jeu, mais on a su être solide. Au-delà du clean sheet, c'est surtout voilà, l'investissement des joueurs et puis le fait de rien donner à l'adversaire. D'être constamment dessus, d'être constamment en marquage, d'empêcher les centres, d'empêcher les frappes. Et ce qu'on remarquait avec le staff, quand on faisait le bilan un petit peu, c'est qu'on concède moins de situations, moins d'occasions. Au-delà de ne pas prendre de but seulement, on expose moins notre gardien et ça, c'est intéressant. Comment tu abordes ce match à Guingamp, déjà, qu'est-ce que tu penses de cette équipe ? Non, on va aborder une très bonne équipe de ce championnat, une équipe très mature. Qui vraiment maîtrise ce championnat de Ligue 2 avec des joueurs d'expérience aussi, et ça c'est très important, qui connaissent le championnat, un coach aussi d'expérience qui connaît la Ligue 2 et qui la maîtrise parfaitement. Donc nous, ça va être un très bon challenge pour nous d'aller au Roudourou, voilà, vivre un bon match dans une ambiance voilà, que je connais un peu et qui est toujours agréable. Vous allez mettre les mêmes ingrédients que face à Auxerre et contre Angers, quoi. Ouais, il faudra mettre le même investissement défensif, en tout cas, de la part de tous. Ça, il faut continuer, il faut capitaliser dessus. Et par contre, il faudra mettre plus d'allant offensivement, parce que si on veut pouvoir gagner les matchs, il faut se créer plus d'occasions. Et pour se créer plus d'occasions, il faudra prendre plus de risques dans le jeu aussi. C'est ça qui manque, prendre des risques offensivement. Tu trouves qu'il n'y en a pas assez qui sont pris, des risques? Ouais, mais après, quand on met autant d'investissement défensif, c'est vrai qu'on laisse des plumes aussi. Donc, c'est de pouvoir trouver aussi un juste milieu pour pouvoir être plus calme aussi avec le ballon et pouvoir le ressortir proprement. Pour ce match, ce match va clôturer une longue période de match. Vous allez avoir une trêve derrière de 10 jours avant Saint-Etienne puis Lyon. Ça va faire le plus grand bien, je suppose. Oui, je pense que les joueurs le méritent. Ils ont beaucoup travaillé ces dernières semaines. Et c'est important qu'ils puissent se régénérer physiquement et mentalement. Pour ce match, quelles sont les forces en présence et surtout sur qui tu ne pourras pas compter ? On récupère Alid Sabanovic, qui est une très bonne nouvelle pour nous. Malheureusement, c'est un peu trop juste pour récupérer Geoffrey Cuffaut et Alain Linguet, ainsi que David Cruz. Et on a Jordan Poa qui est indisponible jusqu'à la fin de saison. Jordan ne jouera plus jusqu'à la fin de saison, il s'est fait opérer. Non, blessure musculaire, voilà, donc on ne pourra pas compter sur lui jusqu'à la fin. A l'inverse, Anthony Knokaert qui est sorti blessé la semaine dernière, nouvelle rassurante, il sera dans le groupe ? Oui, Anthony s'est entraîné normalement toute la semaine, donc il n'y a pas de souci par rapport à sa présence. Merci beaucoup.